Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Tofitof, comment allez-vous? J'espère que tout va très très bien pour vous, je suis heureux de vous retrouver pour l'épisode 4 de la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, dans lequel on allait prendre la direction d'une quête principale qui se trouve un peu loin, donc on va voir comment le chemin va se passer et tout, mais on va bien voir, on va bien voir. Donc, vous savez quoi? Trêve de bavardage, c'est parti. On est à 910 pieds du truc. Mais est-ce que j'ai pas une tour, moi? Ah, et là, il faudrait peut-être que je trouve... Oui. Enfin, peut-être que je trouve des tours à activer ou ce genre de choses, là. On va bien voir. On va bien voir, on va bien voir. On se dirige vers l'inconnu. Non mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On en était là dans la dernière vidéo. On avance, on va bien voir. Libérer des esclaves. Est-ce qu'on fait pas ça? Ah mince, par contre il y en a un qui va me voir. Attendez, je peux attirer quelqu'un et je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi. Ouais. Et moi qui avais le Sir Dev Plan. Ok. Se suspendre. Mais j'ai pas débloqué l'attaque. Ah voilà, élimination furtive. Allez, c'est parti. On va se massacrer ce petit-là. En plus, il a l'air d'être le seul à m'avoir repéré. Toi, t'as l'air un petit peu aveugle aussi. Hein. Donc, on y va. Il y en a un autre là, qui a eu l'air d'entendre quelque chose ou de m'avoir vu. On va essayer de se mettre sur le côté. Voilà, c'est passé. Ah, tu vas y passer toi aussi. Allez, viens mon petit. Non, 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 il m'a vu. Il m'a vu, puis je tape le mur. Ah, ça c'était un peu la crainte que j'avais, c'était... Esquiver les lances avec croix. Oh oui, non, ils sont nombreux là. Pourquoi vous êtes aussi nombreux? Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Trop d'humains, il a décampé. Non, j'ai pas décampé. Et vous êtes combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, on va peut-être pas tenter ça. Hein. Mais ça fait quoi? J'ai libéré les esclaves quand même, ça a compté? Je sais pas. Bref, allez, on continue. Hop. Libération. Ok, ça me fait gagner de l'XP en fait. Ça me fait gagner un truc comme ça. Enfin, j'ai la console qui s'excite. Calme-toi. Calme-toi, petite PS4, arrête de faire du bruit. Allez, on y va. On avance. On n'est plus très très loin là. Ah mais ça va pas être là parce que ça me dit quelque chose. Des fois j'ai des flashs. Je vais pouvoir me fier à ceux qui se battent à mes côtés. Si un Uruk ne peut pas se fier à un autre Uruk, je vais aussi bien me le tuer. Pourquoi tu viens pas ici, Ander? Me dis pas que t'as peur. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est l'orque qui est capturé, que l'on va revoir un peu tout le long de cette aventure. C'est bien ce qui me semblait qu'on en était là. Approche si tu veux la main noire. Et ces vermines d'esclaves te versent du poison dans les oreilles. Mais si tu coupes ses cordes, Radbag te dira tout ce que tu veux. Voilà, Radbag.
que sais-tu de plus que tous ces orques qui sont morts? Vas-y, espèce de chac, fais-le! Je mourrai et tu ne sauras rien. Je vais peut-être accéder à ta requête. Mettre fin à ta misérable vie. Non, je plaisantais. Écoute, ces orques n'ont aucune chance contre l'armée orque. Leur plan empeste le poisson pourri. Mais Ratbag peut t'en dire plus sur les orques. Ratbag peut faire marcher ton plan. J'ai hâte de découvrir ce que tu sais. Alors, qu'est-ce que t'as à nous dire? Utiliser elle pour sélectionner. Ok. Oula, le capitaine a appuyé sur R2 pour découvrir les forces et les faiblesses. Vulnérable aux bêtes chevauchées, peut être tué instantanément par des coups finaux exécutés à taux de bêtes. Peur des Karagos, ressent de la terreur face aux Karagos. Ok. Insensible aux attaques à distance, immunisé contre vos attaques à distance. Attaque lourde, attaque de médiatrice ne peut être contrée. Chef de monde à un groupe de partisans. Ok, t'es juste en train de dire que je vais en chier, qu'il y a une bestiole à proximité, que certainement j'ouvre la cage, parce que je crois qu'il y avait des bestioles enfermées dans les cages dans les camps dans le jeu. Et il fallait les délivrer et sauter sur tout le monde. Tu vois, un peu ce qu'on a vu quand on poursuivait Gollum, vous savez que le. Donc le truc, c'était pas un warg, au final. Ils sont très influents. Si jamais il leur arrivait quelque chose, ils ne seraient plus en mesure d'écraser ta petite révolte, pas vrai? Je les traquerai. Ah, comment? Ils ne sont pas très populaires par ici, et ils le savent. Mais tu peux les trouver. Bien sûr. Ratbag te montrera le chemin. Tu aides Ratbag. Ratbag t'aide. Évite de me faire regretter mon choix. Merveilleux! Il n'y a pas de temps à perdre, hein? D'abord, je dois m'occuper d'un certain capitaine. Et de quelques Karagors. Viens avec moi, Rodeur! Oh, bon, on a une mission à faire avant. Je vais pas pouvoir m'occuper de mon petit gars tout de suite. Tu verras, bah, pour l'instant, et mon personnage bouge tout seul. Je peux vous montrer que merde. Je suis branché. Généralement à la gorge. Attendez, je débranche mon fil. Se rejoignent, Rodeur. Écoute, tu veux tuer le capitaine et quelqu'un peut-être sa place. Théorie du complot. Peut-être que depuis le début, ça n'a jamais été moi qui jouais. Gorot qui commande. Dans ce camp, oui. Mais il n'est pas chef de guerre. Eux dépendent directement de la main noire. En même temps, c'est pas moi qui joue depuis le début. Ah non, mais en fait, il se déplace. D'accord, il suit de. J'ai rien dit. Devenir capitaine n'est que le début du plan de Ratbag pour devenir chef de guerre. En même temps, si. Alors, prépare-toi à me passer sur le corps. Si j'avais dû jouer, ne pas jouer moi-même, j'aurais pris des gens qui jouaient mieux des fois. Hein ? Si j'avais eu juste une vie, j'aurais aimé en faire plus dessus. Occupez-vous du rendez-vous, pas de moi. Fichez la paix à cette fermée, Nourouk. Venez plutôt m'affronter. Attendez, parce que lui, il a avec ça. Ah mais non, ça... c'est carré pour les esquives, en fait. Oh, tiens, toi. Hop. Ah non, merde. Mais ils sont combien? Ratbag, c'est vidé, les gars. Merde, j'avais pas vu ça. Merde. Non. À l'aide, j'ai le bas ventre fragile. Et la peau assez sensible. Bah oui, bah j'avais pas vu, espèce de couillon. Maintenant, imagine que tous ces corps sont grottes. Visualise ton but. Gorot veut la peau de Ratbag depuis des années. C'est un sale arrogant. Je savais pas qu'il se déplaçait automatiquement, ça j'avais complètement oublié. Mais Ratbag ne gagne jamais.
La dernière fois, il a envoyé Ratbag dans la fosse à Karagor. Tous les autres ont bien ri pendant que le Karagor jouait avec Ratbag. Gorod va le payer. Oui, cette Shrak va le payer cher. Oh, Gorod oui. Garde des Karagor dans des enclos. Et le bruit court qu'il n'aime pas trop s'en approcher. Oui, bah, je l'avais lu. Je parie que tu voudrais que j'ouvre ces enclos. Exactement. Gorod est toujours là-dedans. Il sort jamais. Je me demande où il pisse. Ah, d'accord, par contre, monter, tu le fais pas tout seul, ça. Ne te montre pas. Je m'en vais m'occuper de dégrader ton capitaine. Excellent plan. Titi, j'attends. C'est du génie militaire. Le capitaine Gorod est juste devant. J'en salive d'avance. C'est l'heure de la vengeance. Attendez, je peux peut-être le repérer. Je le vois pas. Par contre, ils sont ultra nombreux. Vous avez entendu ? Peut-être essayer de me débarrasser de lui, là, discrètement. Ok. Attendez, parce que si je peux en attirer, je vais en attirer le plus possible. Mais tu viens pas ici. Tous ces crétins sont à la recherche de la créature, et plus personne ne fait attention. Je surveille les deux. Aucune n'échappera à ma vigilance. J'entends des choses. Et merde. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Attendez, si vous êtes pas trop nombreux. Un ennemi donne l'alerte. Arrêtez-le. Non, bon, on va se barrer. La zone de mission. Non, j'y retourne. Réessayez. Ça compte pas comme une mort. Ou si ça compte comme une mort. Non, ça compte pas comme une mort. Non, on va pas. Allez, on va. Mais je savais pas que je pouvais pas m'éloigner. Moi, je voulais juste. Fais chier. Voilà, on va trouver Ratbag, je sais plus comment il s'appelle. Les Karagor ne me font pas peur. Le prochain chevoir, j'essaierai de le chevaucher. Tu devrais te méfier. Rien qu'un seul chevaucher te dérange. Ouais, non, c'est ça pique le cœur, cette mission quand même. Un ennemi donne l'alerte. Voilà, je suis. Eh ben voilà, mission échouée. Non, boss. On va se quitter là-dessus pour ce juste une vie. Je savais pas qu'il fallait pas que je donne l'alerte. Donc quoi qu'il arrive, tout à l'heure j'avais paumé. Mais non, mais moi je voulais mourir au combat, quoi. Pas sur un truc aussi débile que ça. Non. Pas comme ça. Pas là. Pas maintenant. Patrick. Bordel. Ah là là. Mission échouée, esprit de mort. Non, mais Fallait que je passe autrement, mais je ne savais pas, j'avais pas compris qu'il fallait pas que je déclenche une alarme. Sans déconner, si vous l'aviez vu, qu'il fallait pas que je déclenche une alarme, je vais voir sur le montage de toute façon. Mais si vous l'aviez vu, je sais pas où c'était indiqué et. Venez voir sur le côté. Parce qu'il n'y a pas condition de victoire, condition de défaite, ce genre de choses. Ah oui, sans déclencher l'alarme, j'ai rien dit. Quel boulet, c'est marqué en gros, juste là, devant mes yeux. C'est marqué en gros. Bon bah voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce juste une vie sur la terre du milieu, l'ombre du Mordor. Je suis désolé, je suis vraiment désolé.
J'aurais aimé que ça dure un poil plus longtemps et que l'on puisse ah là là, que l'on puisse aller plus loin dans le jeu, parce que c'est vraiment un jeu qui est sympa, franchement. L'avoir relancé, là, l'ambiance, l'atmosphère et tout m'a bien plu. Donc non, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, là j'ai vraiment mal joué. Je sais pas, truc de base de l'école, lire l'énoncé de la question. Tout simplement. Tout simplement. C'est le truc qu'on me répète depuis que je suis au CP. Et voilà que je refais cette même erreur. Et bref, bon bah c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cette vidéo. On se retrouve donc très prochainement pour un prochain Juste une vie. Je ne sais pas quel jeu, pour tout vous avouer. Je ne sais absolument pas quel jeu je vais faire, mais bon, on va le faire. On va le faire incessamment sous peu. Peut-être que je vais essayer une autre. Comment dire ça? Une autre ambiance de jeu. Je vais regarder, je vais fouiller dans tout ce que j'ai. Je vais prendre des boîtes une par une, puis je vais faire. Peut-être. Non. Ah oui! Tac, et je mets. C'est un peu comme ça que naissent les Juste une vie. Et tout. Et peut-être qu'il y aura le premier Juste une vie 9 qui devrait arriver là très très prochainement. En tout cas, si tout se passe bien, si internet ça va. Si j'ai de quoi faire, si j'ai des gigas disponibles pour pouvoir vous rentrer tout ça le jour de la sortie, j'aimerais bien. Donc voilà, très prochainement, le tout premier Juste une vie sur un jeu neuf de la chaîne. Un jeu que j'attendais impatiemment. J'espère, hein, au moment où je poste cette vidéo, je crois que je me suis pas planté. Si jamais je me suis planté, bah pardon, ça arrive. Bref, allez, c'est là-dessus que je vous quitte. Je vous dis donc à très très bientôt. Longue vie et prospérité. Ciao! Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, bah rejoignez-nous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien, qui aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Et n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Tofitof TV, c'est aussi d'autres styles de vidéos. Et je vous dis donc à très vite. J'espère vous revoir. Bye bye.